Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale car j'ai commandé la semaine dernière sur le site Analyse Discount un masque, deux motos et un pantalon. Je vais vous laisser découvrir. Bon bah, je viens d'ouvrir le carton pour vérifier si c'était bon. Que dès que le frère il est venu, j'ai commencé à déballer pour regarder s'il manquait rien. Voilà, on va passer au déballage. Voilà les papiers. Oh là 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 là. Le masque shot. Voilà, je le mets de côté. Le pantalon qui est fourni avec une housse. Je vais l'attraper bien comme ça. Voilà. Oh, un paquet de bonbons. Voilà, j'ai eu un peu un paquet de bonbons, mais je l'ai déjà mangé. MDR. Voilà. Ça c'est pour le masque. Alors c'est le manuel d'utilisation du masque shot. Là c'est la facture. Alors, ça c'est le bon de livraison. Alors le jour où je l'ai commandé c'est le vendredi 20 novembre. Et la livraison était prévue à partir du 24-11-2015 et au plus tard le 26-11-2015. Alors moi je l'ai reçu le 26, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. J'ai reçu d'autres papiers mais c'est personnel. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous quitte pour ce petit déballage et on se rejoint tout de suite pour la présentation de mon masque et de mon pantalon. Allez, on se retrouve tout de suite. Me revoilà pour la présentation du masque shot. Voilà, déjà je l'ai déjà commencé à le déballer pour aller plus vite pour la durée de la vidéo. Voilà. Il était emballé dans un sac plastique. Il y avait le même truc que tout à l'heure, c'est-à-dire le manuel d'utilisation, avec la boîte ici qui est transparente. Voilà. Voilà des liens Facebook. Voilà. Passons au masque. Alors c'est un masque de coloris noir de chez Shot avec les bandes blanches et noires et l'écriture. Alors j'ai remarqué qu'il y avait un petit dérapant là. Voilà. Voilà la vue comme ça. Alors normalement l'écran il est en tiraillure. Après on verra bien ce qu'il va donner. Vous voyez, il y a du gris ici, ça fait stylé, franchement. Ça va bien avec mon casque. Je mettrai une photo dans la vidéo. Voilà, le petit logo de Shot. Voilà. Alors, les mousses. Voilà. Alors, il est assez gros, mais c'est pas l'importance. L'important, c'est qu'il soit confortable et rigide pour absorber les chocs de mottes de terre et de cailloux. Alors j'ai pris celui-là parce qu'il était pas très cher, il était à 21,50 €. Voilà. Bon bah je crois que c'est tout pour le casque. Je mettrai si vous avez
pas très bien entendu le prix, je le mettrai dans la description. Je mettrai tout ce qui va avec. Bon bah allez, on va se retrouver pour les pantalons. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà pour le pantalon. Voilà, on va faire un peu le tour du pantalon. Alors, il est de coloris rouge et blanc et noir. C'est un pantalon d'or. Voilà, on retrouve le d'or ici. Les lettres sont en cuir. J'ai un petit renforcement ici. Ici, c'est rouge. Aussi un d'or ici. Ici, c'est élastique pour la crosse démolie. Ici, il y a un renforcement en cuir pour les bottes. Ici aussi, ici protection avec marqué Thor. Voilà, en général, le pantalon est blanc et rouge et noir. Noir pour tout ce qui est vers le bas et en haut pour tout ce qui est en bas. Alors, il se ferme comme ça, avec un petit scratch. Un peu. Voilà à l'intérieur. Voilà le renforcement ici. Voilà, j'ai eu avec des papiers comme ça. Ça. Alors, il y a que. Alors, je vais vous lire tout ce qui est marqué, les caractéristiques, construction améliorée pour plus de confort et de performance, structure performée en polyester 100D pour une durabilité accrue, encaissement en cuir à l'intérieur des genoux, panneau extensible pour une souplesse accrue, couture à double et triple renforcement pour une grande durabilité, fermeture rapide, réglage à la taille, doublure piquée avec poche intérieure discrète au niveau de la hanche, alors inséré amovible au niveau des hanches fournies. Voilà, c'est le petit renforcement que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là, c'est pour la face avant. Alors, il y a... Bon, en fait, c'est pareil, mais c'est marqué en anglais. Voilà. Et en cadeau, j'ai eu des stickers. Voilà, que je vais mettre sur mon casque ou sur ma moto. Je verrai bien, car j'en ai 4. Je pense que je vais mettre les petits sur les casques et les gros sur la moto. Voilà. Bon bah sinon, je vais vous laisser avec quelques photos du masque sur mon casque. Et sinon, allez, bye les gens.